Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous viens pour un nouveau genre de vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. J'ai décidé de faire un thriller réaction, donc réaction en gros. Donc en fait là aujourd'hui, donc là j'ai rentré des cours, faites pas attention à ça si je me suis, comme un con, je me suis entaillé la main, bon bref. Donc en fait aujourd'hui il y a la première partie, enfin il y a le premier teaser thriller de la bande annonce en fait de donc Insurgent, donc le deuxième volet de la trilogie Divergente. Donc en fait le trailer final sortira, enfin le trailer complet sortira donc le jour de la sortie de Hunger Games, donc le 19 novembre. Donc là du coup aujourd'hui je vais vous faire en fait, donc ça sera une vidéo en deux parties, mais je vais vous faire en gros toute la vidéo pour vous, ça changera rien, mais pour moi oui. En gros là je vais vous filmer en fait ma réaction pendant le teaser, et je reviendrai plus tard faire pareil mais avec le trailer complet. Donc c'est parti. Je suis pas prêt. Allez, allez. J'attends trop ce film. Donc c'est parti pour le teaser. Ok, Tetris. Avec ses cheveux courts, cool. What the fuck? Ok, donc en fait, ça c'est pour les effets spéciaux, les gars. Pour la 3D. Wow. Ça c'est du feu. Wow. Insurgent. Cool. Cool. Re tout le monde, donc aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo, et ce sera donc le trailer réaction, ou reaction comme vous prononcez, du trailer donc de Insurgent ou Insurgé, pareil ça dépend de la langue du pays, machin. Donc en fait le trailer est sorti hier, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le regarder, du coup je le regarde aujourd'hui devant vous. J'ai déjà fait ça avec le teaser mais je l'ai pas encore mis en ligne, donc je pense que je le mettrai genre le teaser et le trailer à la suite. Donc c'est parti donc pour ma réaction pour le trailer. Je suis genre trop impatient de savoir ce qu'ils ont mis dans la bonne annonce. J'ai trop peur. Donc c'est parti. You found it. The future our people deserve. What does Janine think is in that box, Caleb? I don't know, but she's testing divergence. Searching for the one who can open it. Find them. Every last one of them. Janine's never gonna stop coming after us. It's time we fight back. We don't have the numbers. We will. Come on, girl. What is it? Whoa. Janine claims you're all dangerous insurgents. If we were to combine forces, we'd be unstoppable. Yeah. Oh my god. Connard de rythme, hein, mais... Ah, cette scène, j'adore. Chill, girl. Bâtard de Caleb. Oh.
Wow. Again? C'est quoi ce tatouage? Oh my god. It's engine. Woohoo! Cool. Oh my god. Wow. Ah, oh, il est grave cool. Cool. Franchement, il est grave cool. Wow. Pour un teaser, je trouve ça... Enfin, pour un trailer, je trouve ça vraiment cool. Wow. J'ai reconnu plein de scènes en plus, donc ça, c'est plutôt cool. La scène avec Eric, surtout. Uriah est dedans, enfin. Les sans-factions. Quand elle est retenue, genre, chez les érudits, je crois. La scène... quand il se barre de chez les érudits, enfin voilà. Tori, la mère de Tobias, je la croyais vraiment pas si jeune, j'imaginais vraiment pas comme ça. Enfin, je crois que c'est sa mère, hein, je suis pas sûr. La scène du train, par contre, je m'en rappelle absolument pas. Franchement, pour la bande-annonce, pour une bande-annonce, elle est vraiment bien. Bien évidemment, voilà, ils ont mis un peu le paquet, mais franchement, je suis vraiment pas déçu, je serais vraiment trop content de la bande-annonce, là. C'est dingue, ils vont mettre un max d'action, mais je trouve qu'ils ont changé pas mal de trucs. Mais je suis vraiment pressé de voir les fraternels, enfin, la maison des... enfin, le lieu des fraternels et tout. Oh, je suis trop pressé de le regarder, ce film. Donc, en fait, j'ai lu, bien évidemment, le livre, il y a plus, maintenant un petit peu moins d'un an, donc il y a des trucs que je me... je me souviens pas forcément, mais voilà, pratiquement j'ai reconnu à peu près toutes les scènes. J'ai reconnu Uriah, Tori, la mère de Tobias, les sans-factions, etc., les fraternels, les érudits, la scène de la fusillade, enfin voilà, plein de choses. Pour une bande-annonce, elle est vraiment très très bien, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce film. Donc il sortira le 20 mars, il me semble, pareil, à la même date que le Divergente. Le teaser, par contre, m'avait un petit peu moins plu, tout simplement parce qu'en fait, c'était une illusion, en fait. Et donc, on la retrouve, en fait, dans cette bande-annonce, ce qui est plutôt cool. Par contre, j'ai pas compris trop le tatouage de Triss. Je crois qu'elle n'a pas de tatouage, je sais plus, dans le dos. Enfin, voilà. Après, la box, je me souviens vraiment pas qu'il y avait une box, en fait, genre une box free, non. Je me souviens vraiment pas de ça. Mais c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est normal qu'ils changent quelques trucs, mais la box, j'ai pas compris. Donc dites-moi en commentaire si vous avez compris le truc de la box, là. Je n'ai pas très très compris, mais bon, bref. Comparé vraiment au teaser, j'ai vraiment pas très très trop aimé. Il y avait de l'action et tout, mais je pense qu'ils ont mis un peu trop... côté un peu trop 3D, parce qu'il va sortir donc en 3D. Je pense qu'ils en ont mis un peu trop pour ça. Dans le teaser, mais dans le trailer, il est vraiment très très bien, il se passe plein de trucs. Je pense que je vais le re-regarder, il y a encore des scènes peut-être que je vais encore découvrir. Donc voilà, c'est tout pour ce teaser et trailer réaction, parce que je vous aurais mis le teaser avant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tu as regardé la bande-annonce. Me dire si tu as aimé le deuxième tome, parce que pour moi le deuxième tome c'est juste le coup de cœur de la trilogie. J'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième pour moi est juste le meilleur. Le troisième est très très bien, mais la fin, petit bémol, j'ai beaucoup aimé l'épilogue, mais la fin, juste pas possible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. Encore merci d'avoir dépassé les 100 abonnés. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.